Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Laissez-vous si tenter avec Yves Calvi. Grand bonjour à vous Michel Sardou. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes un invité exceptionnel de laissez-vous tenter. Nous bonjour. allons passer bonjour, une demi-heure ensemble en compagnie de Monique Younes que je salue pour bonjour. parler euh, théâtre puisque nous, vous êtes à l'affiche de n'écoutez pas mesdames. Enfin n'écoutez pas mais restez quand même avec nous sur RTL. Une pièce de Sacha Guitry que vous vous apprêtez à jouer au théâtre de la Michaudière. C'est à Paris donc à partir du 12 septembre. Nous sommes heureux que vous nous ayez réservé votre première interview euh, concernant ce spectacle. Depuis 2009, vous n'avez joué que des pièces d'auteurs contemporains. Pourquoi revenir sur les planches avec ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un classique Un guitry, qui plus est. Ça faisait très longtemps que je, je voulais jouer cette pièce. Et je tombais à chaque fois sur des réticences. On me disait tout le temps Oh, guitry, euh, c'est un petit peu vieux, c'est du, du. Bon j'étais pas du tout d'accord avec ça oui. parce que le, quand, on va, quand on, vous allez écouter la pièce si vous venez, vous verrez qu'il n'y a rien de, de, de vieillot là-dedans au contraire, il y a même des choses il anticipe des, très moderne. des, des, des relations homme-femme très, très, très actuelles et donc j'avais envie de jouer ça, je l'avais vu deux fois je l'avais vu avec Pierre Mondy et avec Pierre Duc, c'est ma mère et euh, j'avais envie de jouer cette pièce et puis hein, finalement Grâce à Nicolas Briançon, où les producteurs avaient dit surtout, Michel veut jouer euh, Guitry, déconseillez-lui de jouer Guitry. <laughs> et quand on s'est mis à table pour faire la réunion, il s'est dit, mais c'est une excellente idée, oui, évidemment. <laughs> et, euh, et donc on l'a joué, finalement. Et je ne le regrette pas, parce que les, les réactions publiques, je parle en, en termes de, de réservation, etc., sont excellentes. Ouais. Donc ça prouve que les gens de confiance ont envie de voir du Guitry. Ils savent que... En plus, j'aime bien le théâtre humoristique, où on passe une soirée, euh, mon Dieu, intelligente et drôle. Il oui. n'y oui. a rien de vulgaire. J'ai horreur de la vulgarité au théâtre. Euh, tout, est, tout est dit et compliqué, parce qu'il est... Il est fluide et pointilleux à la fois son texte, donc euh, difficile à jouer. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps, mais dans la pièce, vous êtes Daniel Bachelet, un architecte devenu antiquaire, divorcé deux fois, cocu une fois. C'est une des répliques de votre personnage qui, paraît-il, vous voit comme un gant. C'est ce mélange d'ironie et de mauvaise foi qui, qui vous va... Oui, dit, votre oui, oui, oh, bah, je vais pas me plaindre, oui. <laughs> Il a une femme folle, il a été marié une première fois, à une cinglée. Poétesse euh, hystérique et, et qui parle en vers et en latin. Et ensuite, il en a une nouvelle, plus jeune, qui est évidemment. Il plante des cornes sur le casque sans, sans aucun problème. Des cornes sur le casque. Alors, oui, vous accordez, comme votre personnage, Daniel Bachelet, Michel Sardou, beaucoup d'importance aux femmes, hein, et pas seulement celle des années 80. Irez-vous <laughs> jusqu'à prendre à votre compte des répliques, comme celle du personnage euh, de Guitry qui dit dans la pièce, la vérité, les femmes ne savent pas par quel bout la prendre. -ce oui, c'est vrai. Oui bah, dans le cas des monteuses, dans le, oui, cas, des, dans le cas des... Des femmes qui justifient, elle l'a trompée, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée de la nuit, et il dit la vérité, de toute façon vous ne savez jamais par quel bout la prendre, vous en avez horreur, parce que. Euh, etc. Bon. Et. Euh, Celle-là, elle est particulièrement menteuse, la deuxième. La deuxième menteuse, oui. Mais par contre, il l'aime quand même. C'est-à-dire que c'est là où, où je reviens sur. On dit Guitry misogyne. Euh, je crois que c'était plus une posture parce qu'en fait les plus beaux rôles de ces pièces il en a écrit 142 sont des rôles de femmes et dans cette pièce-là à un moment donné une ancienne maîtresse à moi qui était danseuse au Moulin Rouge à l'époque du grand quadrille vient me dire mes quatre vérités sur mon comportement avec les femmes et là, il s'en met plein la gueule tout seul, Guidry. Il, il revient sur tout ce qu'on lui reproche. Vous pensez que c'est une misogynie, alors de façade, voire de théâtre en quelque sorte, d'auteur. Il s'amuse sa, avec vous... ça. Oui, il s'amuse avec ça. mais vous, c'est votre intuition, votre compréhension Moi, de C'est ces mon, mon intuition parce que on voit les rôles des femmes. Ils sont formidables. Le, oui, les meilleurs rôles de Guitry sont des rôles de femmes. Donc s'il était vraiment le, le méchant loup, euh, le vieux Réac, euh, macha, On bon, prétend bon, Non. Je, je crois que c'était une posture plus. D'ailleurs, il dit, votre personnage dit, euh, aimer les, les défauts des femmes, c'est prendre leur, dépense, leur défense. Alors, quel genre de défaut Mais défauts... il dit surtout, il, il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler. Voilà. Mais vous, Parce quel que genre parler de des femmes, c'est à dire du mal. Et vous, quel genre de défaut aimez-vous chez les femmes Tout. Tout Tout. Eh bien, on est comblé alors. Euh, tout, je n'ai pas de truc particulier. Non, non. Bien les femmes. Trop beaucoup même. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Vous avez des souvenirs de cette pièce, Michel Sardou, avec votre mère, Jackie. Oh, elle était formidable, elle. Elle l'a joué avec Pierre Dux dans le rôle titre. Hein C'était en 86 au théâtre du Palais Royal. Mmh. Euh, C'est à ce moment-là que vous avez découvert la pièce. Et puis, que quelles sont les, les images que vous conservez J'ai envie de vous dire de votre maman sur scène jouant Guitry ouais, J'ai vu ma mère deux fois sur scène. Je l'ai vue dans Guitry euh, parce que on était séparés moi d'un côté en tournée. Quand j'étais plus jeune, j'étais en collège, donc n'en parlons pas. Et euh, enfin, je l'ai dans, dans, dans Guitry et dans Les Précieuses Ridicules. Mm -hmm. Et j'ai trouvé formidable dans les deux. Elle était très drôle. Très très drôle. Très très drôle et très. Et avec beaucoup de charme dans. Dans, dans sa façon d'être. Là, le rôle est repris très très bien par Nicole Croisy. Et euh, c'est surprenant parce que je m'attendais. Pas du tout, je, je, je ne savais pas qu'elle était comédienne, et elle est très bonne comédienne. Et jouer ce rôle, c'est un rôle très difficile. Parce que d'un côté, elle, elle met les poings sur les i avec Guitry, avec Bachelet. Euh, donc lit. avec vous Avec moi, donc t es, t es, mmh. tu, tu te conduis comme une ordure avec les femmes, etc. Tu les méprises, etc. etc. Et d'un autre côté, elle est tendre, parce que c'est son souvenir de jeunesse, quand elle était danseuse, quand lui était elle avait 24 ans, etc. Alors avant de vous voir sur scène avec Nicole Croisil, j'ai retrouvé une captation de N'écoutez pas mesdames mise en scène par Pierre Mondy avec votre mère, Jackie Sardou. Elle semblait vraiment s'éclater dans son rôle, écoutez. C'est la malle de ta femme Oui, à dieu Elle est déjà loin Oui. C'est toi qui me l'as priée Oui, oui. Si tu es sûr qu'elle t'a trompé, évidemment. Comment, si j'en suis sûr Elle me l'a dit. Oh Ça Quoi ça Nous sommes si menteux. Je vais te dire, tu donnes... Des mauvaises idées aux femmes en leur parlant comme à des reines tant que ça va bien et en les traitant comme de la boue dès que ça va mal. Parce que tu sais, même quand tu nous aimes, ça se voit que tu nous méprises. Oh. Tiens, je vais te faire un aveu quand ça n'a plus été entre nous. Si tu m'avais pas plaqué en trois minutes comme tu l'avais, le soir même je te trompais avec ton copain. Il fallait le faire. Bah t'étais parti, je ne pouvais pas te tromper. <laughs> Alors, on sent qu'elle s'amuse sur scène énormément. Est-ce que vous vous amusez autant qu'elle oui. Et qu'est-ce que vous avez de commun avec elle Ah, je suis incapable de vous répondre. Je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas. Euh, j'ai le même, comment dirais-je, le même débit peut-être. Euh, mais ce que j'ai en commun, je ne sais pas. Euh, je peux pas vous répondre, honnêtement. d'un côté, le plaisir d'être là. Et et le de plaisir d'être sur scène, parce que je ne le ferais pas si je me faisais pas plaisir. Dire, on ne joue pas à Guitry si on ne s'amuse pas dans Guitry. Et une fois qu'on monte sur scène, c'est pas une pièce lourde, c'est pas une pièce sérieuse, c'est c'est de l'humour, c'est c'est de la finesse, c'est c'est euh, on s'amuse entre nous. Cette base des femmes et des tout ça, c'est amusant. Si vous, vous le faites sérieux, mon Dieu, bon, ça devient lourd. On peut pas jouer Guitry lourd. C'est possible. Il me vient une drôle d'idée en écoutant Jacques Sardou euh, au Palais Royal à l'époque. Euh, et dans ce rôle, je me suis demandé quel était le rapport de votre mère à la vérité dans, dans la, la vérité. Vie, dans la vie, oui. Dans la vie. Vous comprenez ma question. Oui, très ouais. bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire C'était une emmerdeuse. Euh, elle a traumatisé mon père toute sa vie, un peu comme oui. fait ma femme d'ailleurs. Moi j'aimerais euh, bien être traumatisé euh, par votre femme. Elle s'occupait de tout. Mmh. Avec moi, elle était autoritaire, mais ça ne prenait pas. Ça la rendait ah. folle. Parce que ça ne marchait pas. Ah oui, vous n'alimentiez pas son. Absolument, je n'écoutais oui. l'écoutais pas. <laughs> Donc ça, ma mère ne supportait pas qu'on ne l'écoute pas. Et moi, c'était ma force, c'est que je m'en foutais complètement. Elle avait dire, va à l'école, travaille, machin, rien à foutre. Je ne l'écoutais pas. Chez les Sardou, père, oui. fils, enfin, même sur trois générations. On, on, voilà, On chante, on joue la comédie, on est sur scène. Euh, est-ce que vous parliez de théâtre avec vos parents Et est-ce qu'ils vous ont parfois donné des conseils Non, justement. Les gens me posent souvent la question en Et disant oui. Mais chez vous, c'est héréditaire. Non, puisque moi, j'étais. Si, ce que j'aimais, c'était la vie qu'ils vivaient. Ils avaient une vie d'artiste qui est quand même plus agréable que certaines autres professions. Mmh. Bon. Et euh, mais comme j'étais en pension toute ma vie pratiquement, je ne suivais pas. Je n'étais pas, euh, je n'étais pas branché avec leur métier. Et mon père, la seule chose qu'il a faite d'utile quand je lui ai dit je veux être comédien, il a ouvert la porte, il m'a dit tire-toi de la maison et il faut que t'en vives. Et il a refermé la porte. Donc je me suis retrouvé dans la rue. J'ai été chez un copain, j'ai commencé à prendre des cours, je faisais des petits boulots, j'étais serveur à droite, à gauche, enfin, je, ce qu'on pourrait appeler les petits boulots aujourd'hui, qui n'existent plus malheureusement, mais à l'époque, ça nous aidait bien, nous, quand on se quand on tirait, voilà donc je suis devenu comédien sans en allant dans des cours mais pas en parlant de comédie avec mon père. On garde la porte de ce studio fermée parce qu'on veut vous garder avec nous et on reparle de ce spectacle. N'écoutez pas mesdames, qui arrive le 12 septembre au théâtre de la Michaudière, c'est évidemment un Sacha Guitry à tout de suite Michel Sardou. Suivez RTL, laissez-vous tenter avec Michel Sardou en direct vidéo sur rtl.fr. Le matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi, jusqu'à 9h30. Merci d'écouter RTL. Il est 9h12. Nous sommes heureux de nous retrouver en compagnie de Michel Sardou à l'affiche de N'écoutez pas, mesdames la pièce de Sacha Guitry euh, que vous jouez au théâtre de la Michaudière à partir du 12 septembre. Michel Sardou, est-ce que vous retenez vite votre texte, euh, Michel Sardou Quelle est votre méthode pour apprendre vos répliques Je lis. Je lis, je relis, je relis, je relis, je relis. Petit à petit, les personnages se mettent en place. Moi, je me situe dans le truc. Et je, je, je n'apprends pas morceau par morceau, si vous voulez. Je le répète, je le dis. Alors ma femme me fait répéter. Mm -hmm. Je lui interdis de jouer, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, elle se prend au jeu, elle commence à me donner des. Oui. À, à me faire des répliques de oui, Des intentions, bah, Des oui, intentions, bien sûr, mais bon, ça, ça, oui. ça. Ça, ça bagasse, elle est là, elle le sait. Oui, oui, elle nous écoute. Euh, mais, mais si vous voulez, ce n'est pas un apprentissage de je ne recopie pas pour apprendre. Je note où je me plante. Quand j'oublie, par exemple, souvent c'est un mot que j'oublie, c'est toujours le même. Il y a souvent une, une phrase que j'oublie systématiquement. Alors, je, là, je la marque sur un petit carnet et je me la répète le soir avant de m'endormir. Mais c'est une question de lecture. Je, je photographie toute la pièce, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, c'est long, c'est assez bah, oui. long, ça prend plusieurs mois, mais après, je, je la sais. Et il paraît que vous êtes un acteur très discipliné, si on en croit votre metteur en scène, Nicolas Briançon, écoutez-le. D'abord, euh, Michel, il faut le reconnaître, c'est cette chose assez incroyable qu'on trouve, qu trouve assez peu chez les, chez les acteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier jour de répétition, il est arrivé texte-ciux de la pièce entière. Il faut l'envoyer, le guiterie le hein. J'ai affaire à un acteur d'une très grande discipline, d'une très grande rigueur, d'une très grande écoute, d'un très grand respect de la mise en scène et des partenaires. Vraiment, enfin... C'est une réalité. Et il me fait beaucoup rire. <laughs> ça, ça va surprendre, mais c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, je trouve. Il est exactement là où on ne l'attend pas, Michel. C'est-à-dire que il est la star qu'on sait, et en même temps, il a un recul absolu par rapport à tout ça. Il s'en marre, il rigole de, de la propre image qui qu renvoie de lui-même. C'est un moment important de sa vie. C'est vrai, ça Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis arrivé texte su parce que je pense qu'on a... imaginait que j'arrive texte pas su. J'aurais ça à la main pour répéter. Voilà. Ce qui veut dire qu'après, vous connaissez un acteur qui joue avec son texte à la main, qui joue avec la. Non. Donc il faut savoir, le texte, ça va. Ou tout du moins. Pardon, j'ai bougé, euh, bougé, cassé le micro. Ouais. Mais, euh, ça, c'est la moindre des choses, surtout quand c'est un texte difficile. Alors je ne vous dis pas que je serais capable d'y arriver avec Richard III. <laughs> Mais avec une pièce de Guitry, c'est possible. faut se le farcir, c'est vrai, il a raison. Nicolas, il faut, 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 faut se taper, Guitry, mais, mais je veux dire, ça va, ça reste encore humain. Euh, on ne tombe pas dans les pièces, c'est pas, pas Cyrano de Bergerac, bon, ça va. Michel Sardou, on évoquait il y a quelques instants les souvenirs, les réminiscences et les liens familiaux, tout simplement, mais est-ce que vous, vous avez, euh, comment pourrait-on dire les choses, un modèle d'acteur, ou est-ce qu'il y a quelqu'un, ou, ou de, de grands acteurs qui vous ont objectivement inspiré dans ce métier ça ne veut pas inspirer. dire vouloir le, re le ressembler, bien entendu, mais c'est euh, une source d'inspiration. J'adorais toute cette équipe qui allait de Gabin à Blier, en passant par Lino, en passant par Vanel, en passant par Meurice. Euh, ça, j'aimais ces hommes-là. J'aimais ces comédiens-là, parce que c'était des comédiens, évidemment, mais c'était aussi des natures. Oui. Alors, ce que, tout à l'heure, on parlait de ma mère. Ma mère, avant tout, c'est une nature. C'était pas tellement une comédienne. C'était une nature. Mais oui, euh, sa simple présence. Sa simple oui. présence faisait que on allait se marier. Oui, bon, sur ah, scène et on en Voilà, Jackie, là, il va se passer quelque chose. c'est bon, ça que j'aime en fait. Euh, c'est ça qui m'inspire. Des natures. Voilà. Alors, votre personnage, Michel Sardou, dans la pièce, à la conscience du temps qui passe. Une des répliques d'ailleurs de la pièce dit :« On peut. » Être un homme âgé sans être un homme vieux. Vous vous sentez âgé. Et la suite, c'est est-ce que l'on ne dit pas dans l'enfant qu'il est âgé de 5 à 6 ans Voilà. voilà. Est-ce que vous vous sentez âgé ou vieux Je pense que je me sens. Là, ce matin, très fatigué. Ouais. Euh, euh, Parce que vous Je n'ai pas, pas beaucoup dormi. Mais, mais je, je fais. Euh, comment dirais-je Je vois le temps passer à travers les rôles. C'est-à-dire ah. que, évidemment, les rôles se réduisent, je ne peux plus jouer le cid. C'est emmerdant. Mais j'aurais <laughs> adoré jouer le cid, être en armure et tout, les stances et tout ça. Mais bon, ah, je ne peux plus. Donc je joue des rôles maintenant d'hommes plus âgés. Évidemment, j'ai mon âge. Bah, j'ai 72 ans, il n'y a pas de raison que je le cache. Mais, euh, ça ne me dérange pas. Sur scène. Ça m'emmerde chez moi. Parce, parce que j'ai que... mal aux jambes, parce que je suis fatigué, parce que je râle, parce qu'un truc me fatigue plus qu'avant, euh, je fais plus le même sport qu'avant. Euh, voilà. Mais autrement, je m'en fous. Je Alors, on fous. a le sentiment que votre personnage est dépassé par ces femmes. Mmh. Vous avez dit, la première est poétesse, la deuxième trop libre. Euh, il subit ces situations, ce bachelet. Il oui, subirait. mais il n'est pas dupe. Il, bah, il est pas dupe voilà. Hein. voilà. En fait, sa seconde femme, ce que m'a expliqué Briançon, c'est que Jouleux. Moi, au début, je le jouais un peu contrarié quand même. Elle, mmh. elle, elle rentrait, elle avait passé la nuit dehors. Donc, quand elle me disait « Ne dis rien, demande moment où j'ai passé la nuit », je le jouais un peu comme un homme blessé. Mmh. Dis donc, tu l'aimes encore. Donc, pense que, que tu l'as, tu, tu lui en veux, mais en même temps, tu l'aimes. C'est ça toute ta difficulté de guitry, en fait. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'être comme votre personnage, dépassé par les situations oh là, Vous avez une certainement. Mais euh, là, je n'ai pas un exemple tout de suite à vous donner, mais... Euh, je me suis trouvé dans des situations bizarres, oui. Mais euh, je, ben, là, franchement, honnêtement, ça ne me, ça me vient pas. Euh, J'ai à ma femme, peut-être. Non, 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 je décide de ne pas vous poser la question, justement, parce que oui. nous allons marquer une nouvelle pause de publicité, faire gagner des places à nos auditeurs pour aller vous applaudir. Mais pour ça, ils devront répondre à la question que pose Monique Younes immédiatement. Alors, quelle est l'actrice qui, aujourd'hui, dans la pièce, joue le rôle qu'avait joué la mère de Michel Sardou Elle est aussi une merveilleuse chanteuse. Nous avons cité son nom il y a quelques instants. Vous nous répondez au 3210. Le temps de nous retrouver en compagnie de Michel Sardou, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur RTL. A tout de suite. RTL Laissez-vous tenter, 9h19. Et... RTL Matin, Laissez-vous tenter, avec Yves Calvin. 9h22. Alors on a confessé gentiment enfin grâce à Monique Younes Michel Sardou pour savoir quelles étaient les situations éventuellement embarrassantes qu'il avait connues et vous nous avez confié vous êtes retrouvé sur un balcon dans des bah oui, Vichy, oui dans des circonstances j'étais en, en Sardou, compagnie oui. d'une dame euh, dans un dans un pied-à-terre qu'elle louait parce qu'elle était comédienne aussi, je dirais pas son nom. Ah oh ben non. Très jolie. Euh, <laughs> et elle jouait une pièce, je ne sais plus quoi, avec mon père, dont, dont, où il y avait mon Vous père. Je ne donnais pas trop de détails parce que Oui, je... non, Et j'étais donc avec cette dame, on frappe à la porte, c'est mmh. son mari. Mmh. Donc elle me file tout en vrac mes affaires comme ça que j'avais. Mmh. Euh, et je me mets, à lui mais toi, sur la fenêtre, il y a un balcon. Je me mets sur le balcon. Vous êtes à poil donc À poil, oui. mais juste avec mes affaires en, en mmh. paquet mmh. devant moi. Oh, oh j'étais effectivement sur le balcon, mais j'étais au premier étage et je donnais sur une place. <laughs> Alors, tous les gens qui passaient, ils regardaient, ce... il y a un mec non, non. Là, qui, est, qui, qui est à poil sur le balcon. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on peut pas dire je grand Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout. Tout. On n'a plus aucune liberté. Ah, Rappelez-vous les années 70-80. On, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait. Euh, le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux vous dise euh, vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Alors, qu'est-ce que va dire le président de la République Huit émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit On répète ce qu'il vient de dire. Ça ne vous a pas frappé, ça si, 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 Ça, ah bon, oui. ça c'est Et... terrible, ça. Ils nous prennent pour des cons, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, c'était aucun malaise, c'était bien. Il vous a pas échappé qu'on avait quand même des, des dizaines et des milliers de, de morts sur nos routes Oui, d'accord, il bon y, y a toujours eu des Gisardo. morts sur les routes. Non, mais becs. ça, c'est votre côté ronchon. Alors, mais pas du tout, si, si. mais pas du tout. Je, je, écoutez, ce qui me tue, moi, c'est qu'un homme de 90 ans ait encore son permis de conduire. Voilà. Moi, à 90 ans, je n'aurais pas... Si je vais jusque-là, je je prendrai plus ma voiture. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas les réflexes, ils sont fatigués, parce qu'ils voient mal, parce que c'est normal. Mais je veux dire, d'un seul coup, vous mettre 130 km à l'heure, vous vous tuez aussi bien à 50, hein. Ils peuvent le mettre à 25 s'ils veulent sur les autoroutes. Il y aura quand même des morts. Il y a des gens qui prennent les autoroutes en sens inverse. Je vois un avantage, quand même, c'est que ça, ça, ça alimente bien votre, votre mauvaise humeur. Non, mais non, c'est si, pas si, ça. Si, si. Re, regardez Paris, par exemple. Oui. Les, les, les chaussées qui rétrécissent. Vous terrifiant. croyez que ça va garantir la, la sécurité routière J'ai failli écraser trois trottinettes, moi. Parce que j'ai pas l'habitude, je les pas vu dans Paris. Vous avez Paris la chance, encore. que j'ai failli être écrasé par trois trottinettes. Oui, aussi, on, on, on peut. <laughs> non, mais, mais je veux dire... On, on, la, la vie est moins moins souple, moins moins détendue que dans les années 80, que tout ça. Bon, voilà. Euh, le téléphone portable, je hais ça. Euh, le, le, les réseaux sociaux, n'en parlons déteste pas. Déteste ça. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts. Et merde, merde, ça va. Euh ben voilà, voilà. Moi, je pense que ça nous la nous... seule politique que je pratique, c'est que je suis parti du parti animaliste. Voilà, je défends ah les petites bêtes. Michel Sardou, à partir du 12 septembre, vous êtes au théâtre de la Michaudière à Paris. Il se entouré... présente aux élections de la présidence du parti animaliste. Bah, par Donc, il, il vient de lancer sa fait. campagne. Je renvoie néanmoins à la Michaudière à partir du 12 septembre. Vous êtes entouré de Nicole Croisy, de Lisa Martineau, Carole Richer, Patrick Sénal, Éric Logérias, Laurence Pilvogel, lui aussi, Michel Dussara et Dorothée de Blaton. Excellent euh, il y aura une tournée idiots. en région bah, ben, évidemment, bon. je croyais qu'ils vont me lâcher comme ça. On était ravis de passer cette demi-heure avec aussi. vous. Euh, l'ami chaud hier à partir du 12 septembre, on vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup de bonheur, ainsi qu'à la troupe, et dans un instant, nous répondrons à la question qui va permettre à nos auditeurs de venir vous applaudir, et on se dira au revoir. RTL Matin. Laissez-vous tenter. RTL. Millennium 6, le nouveau tome de la saga culte, est en librairie La fille qui devait mourir de David Lagerkrantz dans la collection Acte Noir, Acte Sud avec RTL. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvin. Avant de nous séparer, Michel Sardou, la question que nous posions à nos auditeurs pour qu'ils gagnent des places et viennent vous découvrir à partir du 12 septembre au théâtre de la Michaudière, quelle est l'actrice qui aujourd'hui dans la pièce joue le rôle qu'avait joué votre maman, Jackie Sardou Eh bien, c'est Nicole Croisille. Merci d'être venu nous voir ce matin sur RTL. On vous souhaite une nouvelle fois beaucoup de succès pour ce nouveau spectacle. C'est à la Michaudière, c'est du Sacha Guitry. À très bientôt Michel Sardou sur RTL. Et merci RTL. de m'avoir reçu. Vous êtes oui, le bienvenu été. Très au heureux au de au vous au avoir au avec au nous ce matin. Au On va tout de suite retrouver au Julien au Courbet. Au merci beaucoup.